Yo tout le monde, c'est DJSky, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une map comme par exemple Minecraft Zephyr, où vous pouvez placer un bloc dans le vide et tout simplement où il n'y a rien en dessous. Bien sûr sans aucun logiciel, c'est vraiment il vous faut Minecraft tout simplement, et il vous faut vraiment rien d'autre. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que tout simplement, en fait, ça va vous faire laguer pendant au moins 10 bonnes minutes. Tout simplement, s'il faudra utiliser un bloc spécifique. Et comme déjà Minecraft bug bien beaucoup quand j'enregistre avec Action, alors là, j'aurais pas pu filmer tout simplement. Donc là, si vous, c'est normal si vous voyez le truc magnétophone qui s'est mis. Parce que j'ai pas tout simplement installé de logiciel comme. Comment on dit déjà? Un truc qu'on utilise souvent en musique là pendant les cours. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bah les logiciels qui résistent à. Qui permettent d'enregistrer la voix. Car je sais que j'ai ça. Et tout simplement, je pourrais peut-être sûrement la mettre au montage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout simplement, ce que vous allez voir, c'est que vous voyez des screenshots tout simplement de ce que j'ai fait pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, que ça passe pas par rapport à une vidéo. Comme ça me permettra de faire des plus grosses explications, puis pas que ça lag et que ma voix se coupe pas. Donc j'ai trouvé, je pense, la solution. Voilà. Donc tout simplement pour commencer, vous allez mettre votre Minecraft et tout. Et vous allez tout simplement faire Create New World. Alors vous le nommez comme vous voulez. Après vous allez dans More World Option. Tout simplement, si en français c'est option du jeu, hein, option de la map ou éditer le truc. Donc, après que vous avez fait ça, vous allez voir les différents trucs comme génération de structure, différents types de maps, les cheats et les bonus chests. Je pense que les cheats, vous devez les autoriser, les bonus chests, ça servira à que dalle. Génération de structure, mettez plutôt off, moi j'ai mis on parce que j'y ai pas pensé. Mais tout simplement, ce qu'il va voir, ça se peut que qu'il y ait, voilà, qu'il y ait des villages pas loin, donc du coup ça tue un peu. Alors une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous allez vous mettre votre type de mort en super plate. Vous allez mettre customise parce qu'il y a un truc customise qui est en bas juste pour la 1.8. Hop là. Donc vous tombez sur les trois bases de base de la truc, donc qui est la grass block, la dirt et la bedrock. Donc vous allez supprimer toutes ces couches en faisant remove layer. Donc sélectionnez le truc, vous faites remove layer, donc vous n'avez plus rien. Une fois que vous avez fait ceci, tout simplement vous allez dans preset, en gros c'est pré-réglage en français. Vous allez avoir classic flat, tunnels, dream, water world. Alors ça, tout ça, les noms, vous y touchez pas. Vous allez dans la barre où c'est marqué when to share your present with someone who's to bed. Low box. Alors je sais, j'ai un accent dégueulasse en anglais, donc voilà. Donc vous allez dans la barre, vous allez supprimer tout ce qui est marqué. Normalement il y a marqué 3, 2 points, 2, 1, 2 points, 2 points, village, un truc dans le genre. Donc vous supprimez tout ça et vous allez marquer tout simplement 1, 2 points, 12. Alors pourquoi 1, 2 points, 12? Alors 1 pour la couche 1 et 12 c'est le. En fait, si vous regardez. Alors là, parce que juste. Alors la petite flèche, je vous la mettais pas, c'est parce que j'ai fait en fait un screenshot. Donc voilà. 12, en gros, c'est l'idée du sable. Le numéro de code du sable. Donc voilà, son idée est 12. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire tout simplement down et create new world. Voilà, donc vous allez tomber sur un mode entièrement plat. Bien sûr, moi il y avait un village là par là, vous voyez. Donc là, moi ça laguait parce que je sais pas pourquoi, je pense que. Ah d'accord, le sable en fait, vous voyez, là il était déjà en train de se péter la gueule. Donc du coup c'est pour ça que je laguais. Parce que du coup la map elle avait pas chargé, que le sable était déjà en train de se péter la gueule. Donc c'est pas grave, j'ai continué à faire une vidéo. Donc vous allez tout simplement prendre un bois qui ne se pète pas la gueule. Moi j'ai pris de la pierre, vous pouvez tout simplement prendre du bois, bah tout minerai ou confondu ou un truc dans le genre. Posez votre bloc et tout simplement bah le sable va tomber. Alors moi comme je laguais, j'avais pas moyen de remonter. Donc voilà. Bon après c'est terminé. Donc tout simplement votre map
va être totalement vide, ou pas totalement totalement, parce que la map pas chargée, il y aura du sable, mais vous devez faire au moins une bonne trentaine de minutes de marche pour trouver à nouveau du sable. À part si vous faites slash TP, une commande assez loin de votre point de spawn. Donc une fois que ça a fini de laguer, vous allez attendre 10 minutes, hein, comme ça au moins, bien sûr. Il y aura du vide en dessous de vous tout simplement, et il restera juste le bloc. Donc vous êtes sur le bloc, vous faites slash spawn point pour définir votre point de spawn. En gros, si vous mourrez pas dans le vide et que vous ne retrouvez jamais votre bloc par exemple. Une fois que vous avez fait ça, donc là j'ai pas fait de screenshot parce que je laguais trop, mais prenez votre bloc et vous mettez à la couche 99 ou 100. C'est la couche parfaite pour pouvoir faire des constructions qui descendent bas et très haut. Simplement parce que la limite de bloc est à 300 et la limite de bloc en bas est de 0. Mais la limite de bloc de 0 est très chiante à avoir, donc voilà. C'est vraiment un truc qui est bien sympa. Donc voilà. Bon, écoutez, cette vidéo était assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura fourni beaucoup d'explications. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'MCEdit, parce que je sais que c'est MCEdit pour pouvoir modifier et puis mettre des blocs comme ça dans le vide, dans une map. Bon, bien sûr, ça vous fait laguer 10 minutes, mais franchement, télécharger MCEdit, si vous l'avez pas, c'est gagnant, quoi. Parce que ça vous nique pas de batterie, ça vous nique pas de mémoire. Si vous avez MCEdit, vous n'avez jamais utilisé, vous n'avez pas savoir comment utiliser. Ou encore, ça va laguer. Ou encore, il y aura un problème de téléchargement. Oula. Il y aura plein de trucs, moi, parce qu'à chaque fois que je télécharge un truc, ça va jamais, donc voilà. Et vous avez tout simplement une map constructible, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je suis désolé pour les screenshots, c'est juste que je pouvais vraiment pas sur des trucs comme ça, je peux vraiment pas filmer tout simplement. Et j'espère que je pourrai récupérer le son quand même. Donc voilà. Bah écoutez, les gens, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur mon Twitter, il sera dans la description tout en bas. Et bien sûr, à continuer à regarder toutes mes autres vidéos, bien sûr pas celles de début parce qu'elles sont pourries, voilà tout simplement. Bon allez les mecs, les gens, les amis, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.